à Gaston Médecin. C'est parti pour les playoffs d'Euroleague. Match 1 ce soir qu'il faut absolument remporter pour bien rentrer dans cette série. Alpha Diallo, John Brown du poste qui marque d'entrée. Ah bah, John Jack Brown. Cohen, Wade Baldwin face à Moté Younas. Baldwin qui monte sur ses appuis qui marque. Quand vous voyez que l'adversaire, il est passé, Mike James, il est passé. Quand vous voyez que votre adversaire... Et sur cet acte, Mike James qui a été très intelligent, il a vu que c'est Josh Nibo qui a déjà une faute, il a attaqué, Josh Nibo ne pouvait pas défendre. Hein. En tout cas, ils attaquent tous Josh Nibo. Hein. Et ils encore sont un ballon volé. Alpha Diallo pour Elio Kobo qui dunk. Une ambiance de corrida. Sublime. Là, pour le coup... Fois Wade Baldwin qui prend son propre rebond offensif. Cohen, l'extra passe pour Bonzi Colson. Ouais. Quel tueur! Deux paniers à trois points de Bonzi Colson. Alpha Diallo. Oh, c'est bien joué ça. C'est bien joué pour Donatas Motiejunas. Lorenzo Brown. Lorenzo Brown, il est passé. Ah, c'est pas bon ça. Et il fait le petit flotteur. Le score final, là on est plus parti pour avoir un 63-62. Ah, c'est le début. Il est passé, Mike James, il marque. C'est bien ça. Wade Baldwin, renverse, Di Bartolomeo. C'est bien, c'est le défendre, oui. Ça défend pas mal tout ça, ça défend très bien même. Martin pour Hilliard, petite feinte. Et il fait il réussit un très gros shoot, il y a juste à lui dire bravo. Exactement, la défense était très très bien. Elio Kobo face à Di Bartolomeo. Mike James, la petite feinte. Mike James, il reste 5 secondes. Mike James très dur. Énorme! Énorme Mike James! Baldwin, la dernière possession de ce premier carton. Wade Baldwin face à Mike James. Il reste une seconde, le shoot au buzzer! Le panier à 3 points réussi par Wade Baldwin. Oh, c'est terrible! 18 à 16 pour le Maccabi à la fin de ce premier carton. Baldwin face à Okobo. Qu'est-ce qu'il est fort ce Baldwin! Qu'est-ce qu'il est fort! Là, il y a du mismatch là. Il cherche le bon mismatch. Il est passé! Il ne voulait pas faire la faute, Josh Nebo. Mike James face à Lorenzo Brown. Il est passé, Mike James. Il se promène, il ne marque pas. Et la contre-attaque, Lorenzo Brown qui va filer au cercle. Qui passe par derrière et qui marque! Cohen. Jack Cohen en difficulté, il n'a pas de solution. Voilà encore une bonne défense. Est-ce qu'ils vont encore réussir à mettre un shoot incroyable? Eh ben, il a réussi à aller jusqu'au bout. Baldwin qui veut jouer son vis-à-vis Jordan Lloyd. Baldwin qui prend le shot. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Wade Baldwin s'occupe de tout. Il est pénible ce monsieur, dis donc. Un talent hors norme. Ouais. Face à Alpha Diallo. Voilà Alpha Diallo, voilà, une bonne défense. Et une grosse saucisse balancée par Wade Baldwin et la balle récupérée par Elio Kobo. Elio Kobo, Jordan Lloyd et le dunk de Alpha Diallo. Très bien. La meilleure ça attaque. Ça faisait tellement longtemps que Monaco n'avait pas marqué. Ouais, ça vient de la défense. Et la meilleure attaque face à la zone, c'est la transition, c'est le contre-attaque. Elio Kobo. Alpha Diallo. Énorme dunk de Alpha Diallo. Voilà, hop, Hilliard, il est sur le poster. Et Monaco revient à 3 petits points. Wade Baldwin, il est passé. C'est un diable, ce Wade Baldwin qui en rajoute. Quand il a senti que Alpha Diallo, dans son dos, l'a un peu poussé, il s'est laissé tomber tel un. Elio Kobo. Parfois, c'est ce genre de séquence qui met aussi un peu de révolte dans une équipe. Ah oui, clairement, ça va révolter l'équipe. Hilliard, Lorenzo Brown, grosse pression. Il est passé, Hilliard. Aïe, aïe, aïe. Et le dunk. Jordan Lloyd, Moté Younas. Moté Younas, point 13 dans son dos. Moté Younas, il est passé. Et boum! Le grand pivot lituanien. Et oui. Tellement dur comme ça avec son runner hook là. Il prend le ballon 1-2 et il met le ballon bien dans l'air.
cette malédiction à lui tout seul sur la transition là. Il y a peut-être mieux à faire. Jack Cohen, Ned. Et le panier avec la faute. Allez. Lloyd, Blossom Game, en bas Moté Younas. Et ah bah voilà, l'équipe de Monaco qui aurait été le plus en difficulté dans cet exercice toute la saison. Ah clairement, 24% à 3 points cette saison, hein, Jérôme Blossom Game. Ballon un... perdu. Bon, bah alors. Wang Kidung sur la contre-attaque. Wilson. Baldwin. Et le panier avec la faute. Ils sont inarrêtables. Lloyd. Ballon perdu. Wow. Catastrophe. Et Lorenzo Brown et la claquette de Josh Nebo. Une véritable catastrophe. C'est un... C'est pas loin d'être un naufrage. Ouais. C'est pas loin d'être un naufrage. Yokobo à 3 points. Et 3 lancers francs pour Yokobo. Avec la faute de Bonzi Golson. Wade Baldwin. Passe compliqué pour Lorenzo Brown. Heureusement qu'il est grand, Brown. Il trouve en l'air. Oh là là. Et en plus, ils ont de la réussite. Josh Nebo. Ils sont en face des joueurs. Sur les lancers francs, c'est horrible. Oula, attention. Ah, Onyilian à 3 points. Mac James et Yokobo. Et Yokobo en l'air pour Dantol. Un grand classique. Ouais, un grand classique. Alors j'ai envie de rendre hommage quand même à Jaron Blossom Game. Et Baldwin, Hilliard à 3 points. Oh là 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 là. Je crois qu'il ne peut rien leur arriver ce soir. Lorenzo Brown, Di Bartolomeo. Bartolomeo, il est passé, il aurait pu aller au bout. Lorenzo Brown. Ils vont être riches d'enseignements. Balle perdue. Ils sont totalement à voir. Là, sur le post-op d'Alpha Diallo, il y a 5 joueurs du Maccabi pratiquement dans la raquette. Quoi. J'ai rarement vu. Aligné. Alors que John Brown, c'est le third. Exactement. Le troisième. Et Yokobo qui marque. Pour attaquer là. James. Bien les frappes. Oh, pourquoi il ne joue pas à 3 points? Parce qu'il a plus il donne à Mike James à 3 points. Mike James à 3 points pour Monaco. Ouais. Allez les garçons. Yokobo, Mike James. Ils n'arrivent pas à développer la transition. Hein. Ils reviennent bien en défense. Ouais, le Maccabi ne marque plus non plus. Ouais. Et voilà Mike James. Je vous le disais. Je vous le disais. Il n'y a que lui qui peut sauver à Monaco de revenir sous la barre des 10 points d'écart. Il en faudra d'autres. Lorenzo Brown, il est passé entre les portes du saloon et il la met en l'air pour le dunk de Josh Nebo. Baldwin. Baldwin. Encore Wade Baldwin. Waouh. Il se sera amusé ce soir. Statut Facebook, c'est compliqué. Et le dunk de Josh Nebo. Non, je t'ai plus. Non, je t'ai plus. Que si, c'est un grand match du Maccabi Tel Aviv ce soir. Ah, donc, sauf là, Josh Nebo qui fait la passe pour personne, il ne s'est pas compris. Voilà. La passe pour Moté Younas, servi par Mike James, il y avait un petit oubli. Il a un peu joué la carotte là, Moté Younas. Et oui, le Maccabi probablement maintenant toujours shooté au bout des 24 secondes. Et si en plus ils mettent dedans. Oh, et oui, ils mettent dedans. Sans fin. Yokobo. Blossom Game qui attendait sous le cercle. Il ne joue pas le dernier ballon. Et c'est terminé. Le Maccabi s'impose en patron sur le parquet de l'Est Monaco. Score final 79-67. Plus 12. Le Maccabi Tel Aviv mène une manche à zéro. Il vient d'entrer, de reprendre l'avantage du parquet.